Allez, on va se dire ça bien. Donc on voit en face une compo Ozak, Zelor et Lio. Ouais, costaud, costaud, beaucoup de PA, du placement, du Rox avec le Xel qui en plus joue en mode... enfin, en mode Rox quoi. Sûrement en mode cash. Loza, ouais, il a l'air feu, quelque chose comme ça. Ouais, on verra, on verra. On n'a pas une mauvaise compo non plus, on va pas se plaindre. Hein. On est en Zobal, Fekka, Sakri. Fekka, Sakri, très bon duo. Zobal, Sakri, très bon duo aussi. Donc. Zobal, Fekka, moins bon parce que trop sensible à l'héros, mais bon, ça peut faire le taf quand même, vu qu'ils n'ont pas d'héros en face pour le coup. Alors, le Sakri. Il prépare sa projection sur la Kawat, je suppose, comme ça. Bah, j'imagine, hein, je vois pas une autre raison de mettre une Kawat là. Ouais, d'accord. L'Elio qui met ses deux portails pour se booster lui-même. Ok. Ça, je puis jamais ça. En vrai, pourquoi les Elio ils se boostent tout le temps eux-mêmes alors qu'ils ont des avec eux des gens qui rox plus qu'eux. Enfin, vous comprenez quoi. S'il boostait son Xel, c'était autre chose quoi. Enfin, bref. Nocturne, ça me dit quelque chose. Ouais, bon. Bon bah moi ma cible ça va être le Xel, hein. Clairement vu les résistances, vu les trucs, si le Xel s'expose un tout petit peu, je fonce dessus, hein. Je vais même pas me casser la tête. Alors. Encore une Kawotte, c'est putain, c'est des jardiniers ou quoi? Tarakiniké, ouais. On appelle ça les PA poubelle. D'accord. Je me demande s'il est R ou s'il est retrait PA notre sort FK. Comme ça, vu ses résistances, je dirais qu'il est R, mais bon, à voir. J'aurais préféré qu'il soit retrait PA, j'avoue, mais déjà R avec le Gravita, ça peut déjà un peu faire chier le Xel. Même si, quand vous jouez de manière opti actuellement, les FK jouent plutôt Glyph d'Excu contre Xelor, parce que la fight tempo, enfin le truc, le Glyph bizarre là qui rend attaque là, counter bien la Gravita. Donc beaucoup de FK jouent Glyph d'Excursion plutôt que Glyph Gravita. Contre Xelor. Enfin, ouais, après, c'est une question de choix. Tour classique au classique. Aucun des deux n'a normalement besoin du masque dommage distance, donc Balek. En vrai, je suis pas trop mal placé. Ils vont galérer à venir me rox, venir me toucher. Et tant moi, je peux. S'il y en a un qui s'avance un tout petit peu pour une raison X ou Y, franchement, je peux faire quelque chose. Le Sakri, enfin, j'espère qu'il va nous donner quelqu'un. En vrai, je me suis bien placé parce qu'il peut projection sur sa carotte et normalement, il a quelqu'un, quoi. Donc. Le FK peut renforcer sur moi s'il veut. Il peut renforcer sur l'épée, enfin, sur la carotte aussi. Ah, sur la carotte en fait, hein. Je vois pas pourquoi je me casse la tête à dire qu'il peut renforcer sur moi. Alors, ils sont tofu? Ouais, il vient de taper, il va m'enlever mon rien du tout. Ok. D'accord. Si tu veux le mettre là, c'est mieux, mais je crois pas. Tu veux encore t'avancer? Non. Ah ok, tu voulais ça, ok, comme ça, ok. Il va me faire un gros rock sur l'Hélio quand même. Ok, bon bah Loza. Il va réussir à ramener son Oza lui? Je comprends pas trop là ce qu'il veut faire. Là il se place comme s'il voulait s'il voulait ramener son Oza chez lui. Ou alors il va taper la cavotte. Non, il va ramener l'Oza. Ouais, ok. Bon, va falloir aller hein, de toute façon. En vrai, si ouais, il prend la ligne, il perd cette cavotte et tu renforts un hein, mec. Quoique s'il est en mode R, normalement il a 7 PO.
Non, mon avis, il est vraiment en mode R, hein, parce que les modes terre, retrait PA n'ont pas énormément de trucs. Ouais, ok, il est R. Et la gravita, ça permet d'empêcher un énorme tour Xel, pourquoi pas, en vrai. Et la glyphe fumier pour le sacri après, vu que le sacri joue en losec, il pourra pas être déplacé. Ouais, non, c'est ok. Le Xel, le Xel. Debuff, ok. Ok. J'aimerais bien que tu restes par là, hein. Je peux pas te mentir, vu tes résistances. Un complice, ok, une prémo. Une débandade gelée normalement. Ouais, je suis d'accord avec eux. Je vais aller sur le petit Xeligno. Je fais la maîtrise, ah, la maîtrise du Kikou. Et. Ah, ça fait mal. Petit coup à Musette. Oh, ça fait bobo ça. Ouais, vu le bis sur ce mode, il pardonne pas. Vu le bis coup critique, c'est. En vrai, heureusement pour lui que c'est pas lui qui avait été frappé par le sacri, sinon il était vraiment dans la sauce directement, quoi. Il était à 2000 PDV. Nos Zek étaient allés stack Léo Feka, j'avoue que c'est pas. Par contre, le sacri ne profitera pas du glyph. Lui, si par contre, il profite du glyph au corps à corps, il va quand même se coller un Feka. Ok. Il y a un petit rock school hein, quand même. Bah bon, d'ailleurs c'est Sacri qui joue quoi. Donc Sacri, enfin ouais, qu'il aille sur l'Excel en vrai. Par contre pour un Feka Gravita, chien Nelio parce que l'Hélio peut. Ouais, il peut bouger les jambes via portail, quoi, donc un peu vite chiant quand même. Un petit counter à la gravité, hein, l'héliotrope. Alors, ouais, du 700, c'est pas mal. Enfin, du 800, quoi. Non, moi j'ai fait plus mal quand même. Hein. Concours de queue, ça c'est bien joué. C'est simple, mais c'est bien joué. En vrai, c'est un petit truc comme ça à la con, auquel parfois les gens en colis random n'y pensent pas. Pas mal parce qu'en vrai j'ai pas énormément de code sur le Zobal vu que je fais que des colis en mode bas les couilles pour tester des modes. Et tomber compte avec des gens qui réfléchissent un tout petit peu, franchement je dis pas non. Ouah, ciao ciao. Mais en vrai je préfère qu'il tape là plutôt qu'il tape le Sacri. Hein. Pourquoi? Simplement parce qu'avec le Sacri il pourrait mettre full le Xel en fait. Simplement. Tandis que là, ok, il met mal le Feka. Bon, le Feka peut agir. Le Sacri vient de dire qu'il pouvait sacrifier après. Moi, je vais pouvoir le bouclier. Enfin, honnêtement, je préfère énormément qu'il tape au Feka. Je sais pas s'il avait une redi possible sur Sacri, mais franchement, s'il en avait une, il devait le faire pour. Vraiment juste pour reconstruire son Xel. Pour ceux qui savent pas, l'héliotrope, si vous prenez vraiment les soins bruts qu'il peut faire dans certaines conditions, c'est le personnage qui soigne le plus. Hein. Enfin, c'est la classe qui soigne le plus. Voilà, donc lui il fait son sort à la con qui va rendre tout le monde attaquable. Donc la gravité du Feka est un peu cancel. Lui il recule. Ah, en vrai, moi je vais aller le taper. Hein. Je sais pas trop, les portails sont. Ah, les portails sont chiants, je peux pas sortir par le portail qui est vers lui donc. Ah, en vrai, je te retourne mon Feka, là je vais le taper. Hein. En mode franchement les dégâts ils sont pas négligeables hein, à distance. Torto, on assure la survie. Ah merde, mais j'ai encore un PM donc ça va. Bon je peux lui mettre deux petits coups. Le coup qui est un peu plus fort.
Là, et le coup qui tape le moins fort sur l'ivoire. Voilà. Je place le prochain tour, je le place rond, je me mets déjà dans le masque qu'il faut. Même si ça pose un problème, j'ai pas de ruche vraiment bénéf dispo. Je vais cacher le masque. Dommage que je n'ai pas pu mettre une case plus loin, parce que si je mettais une case plus loin, enfin j'aurais pu en vrai. Si je mettais une case plus loin, le sacripe une projection dessus pour aller potentiellement kill l'exam. En vrai, ce que j'aurais peut-être dû faire. Bref. Loza qui tape l'égide. Ok. Par contre, le bastion plus égide, alors qu'il y a une gravita, je suis zéro fan. Hein. Ok, là il débuff. Il s'écrit, ouais, il va tourner sur lui, il va pas se casser la tête. Hein. En vrai, le truc, c'est que notre compo tape beaucoup plus fort, beaucoup plus vite, quoi. Le FK, bon, même s'il est R, ce qui est sûrement une des voies que je trouve la moins viable sur FK, alors que la voie de terre, honnêtement, la voie de terre retapée, elle tape tout aussi fort. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un voire deux sorts, je sais pas si l'aveugle. Ouais, il y a deux sorts qui tapent sur la voie neutre, quoi, sur l'élément neutre. Ce qui est totalement cheaté parce que les résistances des modes sont. Ben voilà quoi. Je pense que vous connaissez, hein, les résistances neutres sont bien moins hauts que les résistances R, que les résistances terre et le reste. Ouais, ça fait mal ça. Oh, mais je fais que ça. Ah, ça va. Franchement, ça va. Vas-y, protège ton sacré, toi. Il va taper. Non, il va taper l'Osa. Qui renfort. Il va sur l'héliotrope. Ok. T'aurais pu t'avancer pour prendre toi le glyph chaos. Bon, bref. Heureusement que je tacle un tout petit peu parce que sinon c'est zone téléfrag parfaite sans aucune contrepartie. On a un placement du FK pas fou là. Game, gelure. Et voilà, bah c'est la mort du FK. Hein. Ouais. Pas très fan de son tour là, je vais pas mentir. Ah bon, derrière, je peux. Je crois que j'ai le choix entre le kill Elio ou le kill Xel. En vrai, pas besoin de plastron, hein. Moi je suis encore sous masque, le sacré est full life. Je passe en mettre distance, tac tac tac, faut que ça passe en crit, fais chier. Ouais, ici le GF, ouais. Je tue quand j'ai max, donc c'est un peu chiant, bon bref. Ici ça tue quoi qu'il arrive, je me garde l'opportunité de changer le masque, donc de réfléchir encore un peu. Mais en vrai, je pense que je vais rester dans ce masque-là pour l'instant. Bon, il n'y a plus d'Elio. Lui touche son Domakuro. Ok, c'est si tu veux. T'es pas en 1v1, Coco, mais si tu. En vrai, Loza, il peut vraiment snowball la game comme ça, par contre, avec un petit Domakuro. Si tu joues. Franchement, si t'es Loza, je vais multi-élément. Bon, je dis pas que c'est le truc à faire, attention. Mais jouer un Osamota avec le Domakuro, ça peut faire vraiment très très mal, quoi. D'ailleurs, le nouveau Aurore Pourpre avec un Domakuro est totalement illégal. On va pas se mentir. On va tuer l'Exel, ne hein, te casse pas la tête. Ça continue à le booster, plus tu le rapproches, ah, excusez-moi, plus tu le rapproches de sa souffrance 10, plus la chance de faire le kill. Donc. En vrai, ça devrait aller. Hein.
Il doit transpose qui était ta clé, d'accord. 700. Bah ouais, un deuxième sort et ça passe. Et derrière, je place tron, on s'en bat les couilles. Safe le truc comme ça. Ça. Je lui supprime son Doma courant, voilà. Ouais, voilà. Là, Doma courant, voilà. C'est comme s'il n'avait jamais existé pour 3 paires. En plus, je peux lui péter son ivoire derrière. Ouais, non, c'est ok. Tout ok. En vrai, je pense qu'il peut abandonner le cousin, là, toi. Enfin, attends, le T6 abandonné, quoi. Je sais pas, il a un tour là pour faire mal. Il va debuff, ok. Mais. Comment dire, pour que ça soit rentable, le debuff doit venir avant tes autres. Avant que tape, tu vois, sinon ton debuff n'est vraiment pas rentable. Enfin, après, moi, c'est ce que j'en dis, hein. Après, tu fais ce que tu veux. Bah, tu prends la zone, tu te régènes, coco, hein, parce que c'est la tête. Même s'il est en transfobouffe, donc il réduit les dégâts de je sais plus, 10%, je pense. Donc il a une trentaine de pourcents, plus les 10% résistance enfin, qu'il a mis grâce à la transfobouffe tout. Même avec ça, il devrait taper un peu. La pacte, ouais, c'est bon, il est safe. 360. 400. Ah, je suis curieux, je vais voir combien va taper le corps à corps. Moi j'étais con, j'aurais pu lui donner le masque, hein, c'était gratuit, bon bref. 1025, bon en vrai ça va, hein. Il faut lui rajouter 10%, etc. Oh, les picadas, j'ai hâte de les essayer avec une balle vaudou, hein, je vous promets. Parce que là on est vraiment, on est sur un. Bon c'est pas un bouclier féquin, hein, transo bouffe tout, mais c'est. Ce sont quand même des belles réductions, quoi. En plus il a des fixes l'enfoiré. Ouais, bon, bah, Kouz, par contre, autant voilà, je comprends que les gens ont envie de finir leur combat, hein, je suis un peu pareil, mais. Ouais, là, faut pas non plus faire durer, quoi. Allez, mec! Oh, c'est long à jouer, les Oza, par contre. Ouais, on a dû jouer Oza en tournoi, j'avoue, c'est très, très, très relou. Par contre, quand on doit aider le tour dans le vocal, etc., c'est autre chose, hein. Là, par contre, le tour, il paraît très, très court. Ok. Ouais, en gros, tu me casses juste les couilles, quoi. T'as même pas traversé le shield. Non, bien sûr que ça passe tous les jours. Allez, boum, boum. Et là, il abandonne. Putain, quel casse-couille, ce connard. Bon, les gars, j'espère que ça vous a plu. C'était Ryuga. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.